encore de la publicité. Tu vois bien que c'est un film de la sécurité routière. Non, de la sécurité fluviale. Mais non, c'est un film musical. Ça, c'est un film d'action. Oh, c'est un drame. Mais non, voyons. Avec de Funès, ce ne peut être qu'un film comique. Alors, décidez. Ah, bah, écoutez, je sais pas. Quoi? Bah, écoutez, si vous voulez, nous reparlerons de tout ça dans un endroit un peu plus tranquille. Où? Bah, où? Écoutez, venez dîner à mon restaurant ce soir. Non, pas un de ce soir, ce soir. Ah oui. Comment? Ah, rien, attendez. Vous pouvez suivre le conseil de Louis de Funès, car le restaurant qu'il dirige est vraiment un grand restaurant. Non, 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 ne sais pas. Service impeccable. Personnel trié sur le volet. J'ai fait du rangement dans la cave et alors il n'y a plus de... Faites-moi répéter ma savoir. J'ai fait du rangement dans la cave et il n'y a plus de... Il n'y a plus de nuit Saint-Georges 49, c'est ça? Voilà. Voilà. Eh ben, je vais vous en faire rentrer quelques casiers. C'est gentil, merci. Saligo. Une honte. C'est une honte. Touchez pas ça! Je ne le permets pas. C'est moi qui commande ici! C'est moi! Clientèle choisie. Une clientèle vraiment dans le vent. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Ah non, je préférerais quelque chose de doux. Et là-bas, je vous dis les chers. Pour tout dire, la grande classe grâce à l'œil du maître. Qui c'est qui a fait ça? Vous savez, monsieur le divisionnaire commissionnaire, est-ce que... Nous reparlerons de tout ça ce soir, je viendrai dîner chez vous pour me remettre. Écoutez, alors, à cette occasion, je vous préparerai des pieds de mouton farcis à la Septime. Un grand restaurant dans lequel il se passe des choses mystérieuses. Monsieur Septime, il n'y a plus de langoustes. C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va éternuer. Hein? Il faut éternuer. Un, deux, trois. Compris? Tout va très bien? Tout va très bien. Ah. Maintenant, les terroristes vont chercher à vous abattre à la première occasion. Parlons sérieusement, Septime. Vous avez eu le temps de passer à ma petite proposition, oui ou non? Écoutez, si vous voulez, on reparlera de ça après le coup de feu. Je crois que pour vous, il vaudrait mieux avant le coup de feu. Canaille, traître! Je les ferai fusiller! En tout cas, c'est eux qui tirent, en ce moment. Là, on les voit plus. Oh non, les aspects. Oh mon Dieu! Le pauvre Septime! Ne vous inquiétez pas, Septime est homme à se sortir de cette situation-là. Et de bien d'autres encore. Pour vous en convaincre, retenez une de vos prochaines soirées pour venir au grand restaurant. Et vous retrouverez Septime enfin débarrassé de tous ses soucis.